بسم الله الرحمن الرحيم. دائما مع دروس الفيزياء السنة الثانية بكالوريا خيار فرنسية. الآن مع تمرين جديد من تمارين درس لي زوند ميكانيك بروغريسيف. مطاية التمرين ديالنا كتقول: La foudre est une décharge électrique frappant la terre et qui s'accompagne d'une émission lumineuse liée à l'éclair et d'une émission sonore liée à le tonnerre. Un observateur se trouve à la distance d du lieu d'un orage, soit delta t la durée séparant la perception du tonnerre et celle de l'éclair. Dans delta t, la durée séparant la perception du tonnerre de celle de l'éclair. Dans la question, je vais vous poser la question de un schéma. Dans la zone A, on a l'orage. Dans la zone A, quel observateur? دابا بالنسبة للوراج قلنا كيوقعو فيه دو شوز اللي هما ليكلاغ و عندنا لو طونيغ. إذا هاد لي دو زوند لي ليكلاغ هادي اون اوند لومينوز و لو طونيغ هادي اون اوند سونور. بجوجهم غنوقعلهم اون بروباغاسيون غنوصلو لها عند لوبسيرفاتور. Et dans l'éclair qui se propage avec la vitesse C, ou le tonnerre se propage avec la vitesse V, ou C, la vitesse de la lumière supérieure à la vitesse de propagation du son. Dans la durée delta, quand l'éclair parcourt la distance dépendant une durée delta T1, le tonnerre qui sera la durée delta T, delta T2. لما ان سي سوبيريور ا في دلتا تي دو غتكون سوبيريور ا دلتا تي ان. لا ديغي اللي غيسرقها لو تونيغ غتكون كبر من لا ديغي اللي غيسرقها ليكلاغ. اذا لا ديفيرونس بين هاد لي دو ديغي هي اللي مطلوبه منا. اذا دلتا تي لا ديغي كي سيبار لا بيرسيبسيون دو ليكلاغ سيل دو تونيغ هي دلتا تي تيغال ا دلتا تي دو لا ديغي اللي غيسرقها لو تونيغ moins la durée de la sonde l'éclair. On a fichna à la caf dans la vitesse V et la distance parcourue à la durée de parcours. Yani la durée de parcours est la distance parcourue à la vitesse de propagation. Obtali pour l'éclair delta T1 parce qu'on y a la distance parcourue à la vitesse de propagation, yes. Ou pour le tonnerre, la durée de parcours est D sur la vitesse de propagation, yev. Ou bien là, on a delta T, la durée qui sépare la perception des deux ondes, il y a delta T2 moins delta T1, là, on a D sur V moins D sur C. La radine est D facteur de 1 sur V moins 1 sur C. La radine delta T. La radine est D facteur de 1 moins V facteur de C moins V. La radine est D. La radine est D. La radine est C fois V fois delta T. C'est V fois. Alors, C moins V. Dans le même loup, C n'est pas le cas, c'est un génie. C V delta T. Alors, on a C à 1000 dièle 1 moins V sur C. Dans le cas de loup, C, on a D et V fois delta T sur 1 moins V sur C. Voilà, il y a l'expression que nous avons maintenant. Bino. Je vois la deuxième question. Je vais calculer la valeur de D pour delta T qui est égal à la première. Dans la question 2, calcul de D pour delta T est égal à 5,2 secondes. On a dans l'expression,
D est égal à V fois delta T sur 1 moins V sur C. On est donné en marque couché à application numérique. D est égal à V est 340 fois delta T est 5,2 sur 1 moins 340 sur 3 10 à la puissance 8. D est égal à 1768 mètres.